bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui dans ce 15e et a priori dernier épisode de notre Let's Play sur Beyond Two Souls. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et aujourd'hui c'est le bordel, l'inframonde et le monde que nous connaissons ne font plus qu'un puisque Nathan a désactivé le champ de confinement, les entités sont dans notre monde, on va tenter de le réactiver et je pense que ça va être un épisode très très fort en émotion puisque on a enfilé les combis pour aller activer l'autodestruction de la faille de manière manuelle puisque les commandes ne répondent plus comme on pouvait le faire auparavant dans les premiers épisodes. Il va falloir y aller nous-mêmes au bord du truc mais du coup a priori ça va nous coûter la vie. Enfin je sais pas trop, on va voir, écoutez on avance, on y va mais je sens que ça va être intense. C'est parti. Le soleil noir est au centre du dôme. Comme personne n'y est jamais allé, impossible de savoir ce qu'on va y trouver. On aura combien de temps après avoir déclenché l'autodestruction? Le système a été conçu pour une activation à distance. L'explosion sera pratiquement instantanée. On ne reviendra pas. Bon, bah au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Allez, c'est parti. Oula, alors là ça m'a l'air d'être en mode. Ah oui, regarde, on va pouvoir se planquer et tout, je pense. Planque-toi. Ok, donc là, faut mettre à profit tout ce qu'on sait faire. On est de l'autre côté de cette porte. On a de la compagnie. Elles nous ont pas encore vus. C'est notre seule chance. Oh putain. J'espère que t'as vu juste. Sinon, notre petit tour dans l'inframonde pourrait mal se terminer. Ok, go. On y va. Là, faut pas se foirer. C'est le moment ou jamais. Jody, fais attention, bouge pas trop. On va passer de l'autre côté. On bouge. On bouge. Où ça? T'es malade. Go, y'a plus personne. What? C'est qui lui? Cole? Non, c'est pas Cole, c'est pas Cole. Go, cours, cours, cours. C'est tellement stylé la combinaison qu'on a autour de nous. Faut attendre. Maintenant. Ah, il est revenu vers moi au début. Courez, bourrine, mec, vas-y, passe, c'est bon. Oh putain, il me stresse. Non, call. Ah, rien à foutre, on ne le laisse pas. On y va ensemble, on mourra ensemble. Oh. Ah, c'est de ma faute, j'ai pas été assez prudent à un moment, j'ai cru que je pouvais passer. Et elle est revenue sur ses pas. Ah non, non, Cole! Je te demande pardon, princesse. Quoi? Non! Vous allez devoir continuer sans moi. Non. Pas question. Je te laisse pas ici. Va trouver le soleil noir, Jody. Sinon, personne ne survivra. Est-ce que c'était possible de... Il faut y aller. Est-ce que si je m'étais pas fait voir, il aurait survécu? Ou pas? Oh non. Je peux pas le... Si, je peux le soigner. Soigne-le, vite. Oh... Non, je crois qu'on l'a juste... On a juste stoppé l'hémorragie. Aiden a fait ce qu'il a pu. Oh non. Je crois que c'est de ma faute, là, pour le coup. Bon, dans tous les cas, aucun de nous trois finira, sortira vivant d'ici, donc dans tous les cas... Mais bon, ça m'emmerde un peu, là, quand même. Ça veut dire quoi, prochaine... Il va y avoir une autre salle à passer, cette fois c'est Ryan qui va y passer. À tous les coups, ça va être ça. Hein. Oh la vache. Waouh. Le soleil noir. Allez, finissons-en.
C'est impressionnant là. C'est tout bonnement impressionnant. Waouh. Après, c'est triste pour Cole, mais en même temps. Quoi ? Ah, on voit tous les morts qui sont en train de ressortir. Mais en même temps, enfin, je veux dire, on a surtout fait l'émission avec Ryan. Cole, il nous a aidés, mais je trouve qu'il a. Il a justement le rôle de celui qu'on perd en cours de route. Je pense que dans tous les cas, il devait mourir. Malheureusement. Des âmes ! Des âmes perdues ! Oh là 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 ! Dépêche-toi, allez, on est en dessous là ! Je sais, oui ! Allez, on y est ! On est en dessous là, je peux même plus le voir quasiment. Mais c'est. Ryan ! What ? Tu m'entends ? Oh merde ! Oh là 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 ! Quelle catastrophe ! Hélène ! Nathan ? Raisonner, reprocher. Regarde autour de toi. Regarde ce que t'as fait, Nathan. T'arrives pas à voir la vérité en face. C'est à cause de ça que t'as tout détruit. Elle me manque tellement. Elle me manque plus que jamais. Je vais aller détruire le condenseur. Et si tu veux m'empêcher de le faire, il va falloir que tu me tues. Il le fera jamais. Il a pas les coronets pour ça. Non, tu ne m'arrêteras pas, Cathy. Quoi ? Tu n'arriveras pas à m'empêcher de revoir ma famille, tu entends ? La mort fera bientôt partie du passé. Et plus personne n'aura à subir ce que j'ai vécu. Alors là, mon gars. Ils ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Les vivants et les morts seront unis pour l'éternité. C'est tout ce que tu mérites au final. Il a voulu tuer. Enfin, c'était limite sa fille, quoi. Il l'a quasiment élevée, il a voulu la tuer. Disparaît. Oh, vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, mes chéris. Ouais, bah, c'est un mal pour un bien. On a finalement bien fait de le tuer. Tu es la seule qui puisse tout réparer, Judy. Jody, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a enfin trouvé ce qu'il voulait. On y va. Bon. Il m'a tiré. J'aurais vraiment pas cru qu'il ait les couilles de faire ça. Quel enfoiré ! Après, il finit heureux au final, on va dire, mais bon. C'est quand même horrible. C'est quasiment lui qui nous a élevés, quoi. Je veux dire, depuis qu'on a 3-4 ans, on est chez lui. Bon. Ouh là 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 là. Alors, vite. Et c'était bien la peine d'avoir une protection si au moindre coup on meurt, quoi. Esquive. Waouh. J'ai eu chaud. Esquive. Alors là, c'est pas des petites entités, là. Bon, on esquive tout, là, on gère. Ouf. Eh oh, je peux pas, au bout d'un moment, si vous me mettez pas les cinématiques, je peux pas... pas faire grand-chose. Un monstre.
serait mort s'il n'avait pas ses ceintures. What? Vas-y, active-le. Mon champ de confinement, il fonctionne plus. Quoi? T'es sûr? Vérifie le boîtier. Je viens de te dire qu'il fonctionnait plus. Merde. Putain, laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé un truc. Vite. Merde. Donne-lui le tien. Tiens. Non. Non. Qu'est-ce que tu... C'est toi qui as la meilleure chance de détruire le soleil noir. Je compte sur toi. Non, pas question. Tu vas te faire massacrer. Bah oui, mais c'est son rôle, c'est lui aussi. Discute pas et détruis ce putain de condenseur. Adieu. Allez, attends avant que je change d'avis. Bon. Mon avis, il est plutôt mal barré, hein. Allez, vas-y. On y est là. Vas-y, 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 allez. T'y es. Fais-le exploser. Lâchez-moi. Aiden, tu veux pas m'aider un peu? Allez, vite. C'est pas trop tard. Tu peux le faire, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh ! Allez, on retrouve tout le monde. Allez, dépêche-toi. C'est tellement intense. Non, lâche-moi. Oh la vache. Allez. Oh, regardez. Qui on est? On revoit des choses. Oh, c'est énorme. On revoit notre vie. On revoit notre vie. Et voilà, on est petite, c'était sûr. Allez, avance. Il est là, vas-y. Rendez-moi, mon enfant. Calmez-vous, s'il vous plaît, Laura. Laissez-moi la voir, petite fille. Petit garçon. Bon sang, quoi? Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a? Le jumeau. Malheureusement, il s'est étranglé avec le cordon ombilical. On mon fils. Oh. On avait un frère. Mais oui! Tout s'explique! Mon jumeau. C'est Aiden! Mon frère. C'est pour ça qu'il veut pas se séparer d'elle. Les jumeaux, c'est lié, c'est extrêmement lié. Mort-né. Oh mon dieu! Je m'étais souvent posé la question de qui était Aiden et je m'étais dit que c'était peut-être quelqu'un de sa famille, mais... Oh la vache! Aiden. Montre-le! Il nous était impossible de nous séparer. En fait, nos âmes étaient liées l'une à l'autre. Bah oui, forcément. On se croirait sur la lune dans Majora's Mask, là. Je t'ai aimé et... Je t'ai aussi haï pendant des années. Mais tu faisais partie de moi. Avec l'arbre, ça fait très Majora's Mask. Putain, ils vont pas nous le montrer, quoi. C'est notre frère. Putain. Et du coup... Ça a du sens d'un seul coup. Ça a d'un seul coup énormément de sens. On comprend beaucoup mieux certains trucs.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi C'est quoi ce choix là? Il y a quoi à gauche, il y a quoi à droite? À gauche il y a la lumière, à droite il y a les ténèbres. Qu'est-ce que c'est quoi leur truc là? Je sais même pas. Alors attendez, parce que oula, alors là ça a l'air d'être un méga choix. Réfléchissons 2 minutes. Je peux me tromper, mais je pense que le choix qu'on nous offre là, c'est la vie ou la mort. La vie, la lumière, la mort, les ténèbres. Je pense, je peux me tromper, mais je pense, parce que là ça fait très, regardez, on est dans un tunnel. Oh la vache, je pensais vraiment qu'on allait mourir. Mais j'aurais pas cru qu'on nous laisse le choix comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oh. Qu'est-ce qu'on fait les amis? D'un côté, on a le monde réel. Donc, on en a toujours souffert. Les gens se sont toujours servis de nous. Et finalement, les deux seules personnes à qui on s'est attaché, Cole et Ryan, sont mortes ou pas loin. De l'autre, on a la mort. Certes, c'est triste. Mais du coup, elle aurait la possibilité de retrouver sa mère, Aiden. Et tous les gens qu'elle a connus, peut-être Nathan, qui a pété un plomb, mais qui dans le fond l'aime, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on fait? Je m'attendais pas à un truc comme ça. D'un côté, je trouve ça méga stylé de faire mourir le héros. Ça arrive dans aucun jeu, ça. Et justement, ce jeu se démarquerait. D'un autre côté, je me dis que sa vie a tellement été horrible qu'elle a le droit à une seconde chance. Mais en même temps, des gens voudront toujours se servir d'elle. À cause de ses pouvoirs. Et quand bien même... Parce que là, il y a peut-être possibilité... Je pense que là, si on revient dans le monde des vivants, on ne sera plus avec Aiden. Je pense qu'Aiden va rester de l'autre côté. On l'a bien vu, il s'en va. Est-ce qu'elle serait capable d'affronter les choses toute seule après ce qu'elle a vécu? On a le choix. Elle a jamais eu le choix dans sa vie. Et pour une fois, elle a le choix. Et dans le monde réel, elle y a trouvé que souffrance. Qu'est-ce que je fais? Elle a toujours été avec Aiden. Toujours. Ensemble. Jusqu'au bout. C'est ma décision. Vivre. Ressentir. Tomber amoureuse, vieillir au fil du temps. Je t'aimerai toujours. Il me reste encore tellement de choses à faire. Je me suis trompé. Je crois. Attendez. Est-ce que j'ai... Ah, attendez, j'ai encore le choix. Justement, ça m'explique. Donc, en fait... Ok, donc depuis tout à l'heure, je m'embrouille, en fait. Ce que je pensais être les ténèbres, c'est la vie. Et donc, ici, c'est la mort. C'est bien ça. Le paradis, en fait, où on pouvait l'interpréter comme ça. D'autre côté. Un autre monde. Devenir comme le vent, les étoiles, l'univers. Ok, je pensais que si on choisissait... Je pensais que si on choisissait quelque chose, là, ça décidait tout de suite, en fait. C'est pour ça. Ok, donc on a bien pu avoir confirmation. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Avec Aiden, pour toujours. Au moins là-bas on trouvera des gens qui nous aiment.
et on sera à notre place. On a rempli notre mission. Je le vois comme ça, vraiment. Mais du coup, lui, il est toujours en vie. Du coup, on va le rendre triste. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, elle aurait eu Ryan, mais elle aurait perdu Aiden. C'était peut-être le moment de se détacher, vous me direz, mais écoutez, il fallait faire un choix et je trouve ça méga stylé d'avoir cette possibilité. Et justement, j'ai pas envie de prendre la décision que tout le monde aurait pris. Jody! Jody! Réveille-toi, s'il te plaît. Non, non, là c'est fini là. Il faut que tu te réveilles. Je t'en supplie, debout. Mais du coup, ça pose une vraie question. Le prologue. Chronologiquement, le prologue se passait après cette scène, mais on est morte et encore plus, Nathan est mort. Je comprends pas bien là. Ou alors ça se passait après, mais la frise a avancé en fait, peut-être, je sais pas. C'est très bizarre. Bon, ouais, du coup, je le fais souffrir lui, c'est sûr, mais. Ah ouais, mais dans les deux cas, c'était horrible en fait. Dans les deux cas, il y aurait quelque chose qui allait pas. C'est sûr qu'on le fait souffrir, mais en même temps. Je pars du principe qu'elle a jamais eu le choix, qu'on s'est toujours servi d'elle dans ce monde. C'est une manière de dire. C'est une manière de faire un gros fuck et de dire. Maintenant, c'est moi qui prends mes décisions. J'ai mon propre libre arbitre. Soleil noir. Alors, on va voir. Déclaration de Ryan refusée ou repoussée, 61%. Argent de la CIA refusé, 31%. Bon, bah, moi je préfère le repousser. Cole soigné, 79%. Dawkins en colère, il a attaqué Jody, 25%. Et pourquoi il m'aurait attaqué? Parce que je l'ai provoqué, oui. D'accord. Ryan a survécu 89%, Soleil Noir neutralisé 95%, a choisi la mort 19%. Oh merde! Ah oui, alors là, vous allez pas être d'accord avec moi, je pense. Pour beaucoup. Mais. Écoutez, vraiment, j'assume pleinement ce choix. Elle a trop. Trop souffert dans ce monde et. Je sais pas. En fait, je m'adresse aux gens, je m'adresse aux jumeaux qui m'écoutent. Est-ce que vous verriez vivre sans votre jumeau? Je sais qu'il paraît, enfin, il paraît que les jumeaux c'est très très fusionnel et au final, en sachant qu'Aiden est mon jumeau, on comprend tout de suite pourquoi. On comprend tout de suite pourquoi en fait ils étaient si proches. Je regrette pas vraiment. C'est triste évidemment, mais dans un cas comme dans l'autre, ça l'aurait été. C'est très triste. Mais je ne regrette absolument pas et je trouve que au-delà de ça, c'est un choix qui me ressemble. C'est un choix qui est en accord avec ma façon de penser. Qui, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je vous demande pas de me dire si c'est ce que vous auriez fait, mais dites-moi si c'est la bonne décision pour ma façon de jouer. Moi, je pense que oui, vraiment. Et je trouve ça méga. Et finalement, voilà, 19%, c'est-à-dire que très peu de gens le font. Ça, voilà. Peut-être que certains n'avaient peut-être pas vu cette fin-là aussi, je ne sais pas. On va voir. Mais je trouve ça stylé, vraiment, c'est bête à dire, mais je trouve ça stylé. Qui est pas une fin comme les autres, qui finit bien, vous voyez. Et je trouve que ce jeu s'y prête parfaitement. Même si c'est horrible de se dire que elle aura pas eu une vie joyeuse, c'est vrai, elle aura pas eu une vie joyeuse, mais eh ben à défaut, elle va avoir une mort heureuse, entre guillemets, vous voyez. Enfin, elle aurait peut-être pu arranger sa vie, mais sa vie a été tellement... Je sais pas, tellement horrible, tellement parsemé d'embûches, de problèmes. Vous allez me dire, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, c'est vrai. Mais dans son cas précis, en fait, je me base sur ce qu'on a vu avec Nathan, qu'on a tué, et qui finalement a été heureux de revoir les gens qu'il aime. Et bah, je pars du principe qu'elle ressent exactement la même chose. Voilà, j'assume pleinement ce choix, c'est... C'est un choix qui, je trouve, me ressemble. C'est une vraie question très intéressante et je suis très content d'avoir pris cette décision. Et du coup, épilogue. Et vous voyez, Soleil Noir se passe avant prologue, on le voit bien. Donc c'est bizarre. Et donc l'épilogue, comment ça se passe? On va voir. J'espère qu'on va voir Aiden. Il y a un monde ici.
Un univers entier rempli de forêts, de lacs, de montagnes et de rivières. Il est tout autour de nous. Il nous suffit de tendre l'oreille pour l'entendre murmurer. Ce n'est ni le paradis, ni l'enfer. Ici, il n'y a ni Dieu, ni diable. C'est un simple lieu dans lequel on continue d'exister après la mort. Même si mon âme l'explore continuellement, je n'en ai encore vu qu'un infime segment. Je peux être partout et nulle part à la fois. Je peux me dissoudre dans le néant, je peux en ressortir intact. Je peux fondre mon âme parmi les autres. Ou m'immerger dans une solitude que personne n'a jamais connue. Tout ceci est possible. Par ma simple volonté. Je continue d'observer votre monde. Je veille sur toutes les personnes que j'aime. J'aimerais qu'ils sachent que je vais bien. Et que je suis là. Je voudrais tellement pouvoir les serrer une dernière fois dans mes bras. Leur dire combien ils me manquent. Malheureusement, je dois me contenter d'être proche. Invisible. Transparente. Rien de plus qu'un souvenir qui s'évanouit. Cool. Il est en vie. Il a survécu. On a réussi à le sauver. La blessure qu'Aiden a guérie l'a sauvé. Ah mais alors là je regrette absolument pas mon choix. Little Princess. Ta petite princesse est toujours là. Et il a compris. Regarde-le, regardez-le comme il est heureux. Je sais tout du passé et de ce qui reste à venir. Je connais le champ des possibilités. Je vois l'obscurité qui approche. C'est devenu Lucy la fille en fait, c'est dans le film. C'est devenu une warrior. Aller tout de suite. Avant, il me reste une chose à faire. Et ensuite, je pourrai partir pour découvrir ce qu'il y a. De l'autre côté. C'est moi qui joue là. Ok, c'est moi qui joue. Qu'est-ce que je dois faire? Non, attendez, attendez. Eh, c'est... C'est les sans-abri avec qui on était? Oh! C'est la fille qu'on a accouchée? Où je passe des heures à regarder dans le vide. À observer les images qui apparaissent. Elles défilent devant mes yeux sans s'arrêter. Comme une télé qu'on n'éteindrait jamais. Je sais pas pourquoi j'ai ces visions. Mais il y a une chose que je sais. Tout est vraiment arrivé. Quand je suis seule, j'écoute la petite voix qui est dans ma tête. Elle discute avec moi. Elle me dit qu'il y a des choses que je dois savoir. Et parfois, quand je ferme les yeux, c'est comme si je pouvais voler. Je traverse les murs. Elle est comme nous. Je vois les gens entourés de magnifiques couleurs. Je découvre des lieux merveilleux, sans jamais avoir à quitter ma chambre. La voix m'a dit d'en parler à personne. Mais j'ai vraiment peur. Surtout le soir, quand je me retrouve toute seule. Il y a des choses qui se déplacent dans l'ombre. Des bruits étranges. Des murmures dans le noir. La voix me dit que c'est rien. Que tout finira par disparaître.
Mais elle refuse de me dire ce que sont ces choses. J'ai trop peur de lui poser la question. Je fais souvent le même rêve. Tout a l'air tellement vrai. Les sons, la lumière, les odeurs. Et pourtant, je sais que ce n'est pas qu'un simple rêve. On dirait un écho. Un écho de ce qui va arriver. Il faut que je me prépare. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis sûre d'une chose. Je ne serai plus jamais seule. Oh, c'est méga stylé! Oh mon dieu! Oh my god! La fin! La fin, la fin! Oh putain, la fin, c'est dingue! La fin est complètement dingue! Ça veut dire... Ça veut bien dire... Ce que ça veut dire... Ça veut dire que... Quelqu'un d'autre aurait tenté. On a bien fait de partir, on a vraiment bien fait de partir, je vous assure, parce que si on n'était pas parti, on aurait voulu reprofiter d'elle à nouveau, et puis on aurait re-machin, et puis voilà, et puis, et ben voilà. Elle a accompli ce qu'elle devait accomplir. Et maintenant, c'est à la fille de Tuesday d'être à notre place, c'est juste énorme le petit clin d'œil à la fin. Et on peut voir que ben, ça repartira en couille, mais bon, elle sera là pour arrêter les choses à son tour. Regardez, là je crois qu'on est avec la fille de Tuesday, là on aurait été à deux. Mais c'est bien, c'est très bien, je trouve, qu'elle soit toute seule, justement. C'est très bien, nous, on a toujours été seuls, quasiment. C'est très bien, elle sera aussi seule, et elle s'en sortira très bien, je pense. Et puis, il y a une certaine logique à mourir, parce que, bon, comme il l'a dit, l'explosion, elle est instantanée, t'es censé crever. Alors, on peut se dire que Ryan, lui, meurt pas parce qu'il est un peu plus loin, mais nous, on est au centre du truc, c'est normal qu'on meure. Je trouve ça très bien, d'un point de vue scénaristique. On laisse la place, et on voit... Et puis même, je suis en train de penser, ça peut laisser penser qu'il pourrait y avoir un Beyond Two Souls 2, non? J'ai carrément même, vous avez vu, ça te laisse sur un gros teasing. Ah ouais, oh la fin est juste énormissime. Et je pense vraiment que malgré qu'on soit très peu à avoir fait ce choix, je pense vraiment que c'est le bon choix à faire, vous voyez. Et le genre lui-même aura été dingue, waouh. Ah ouais, alors, c'est le moment du bilan. Quel jeu, bordel, quel jeu! Oh mon dieu! C'est incroyable! Vraiment, quand j'ai lancé ce jeu, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais rappelez-vous, hein, je veux dire, dans les 10 premières minutes, j'utilise les pouvoirs de Jodie, je fais « What the fuck? Pourquoi elle a des pouvoirs ?» Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Je m'attendais à un truc à la Until Dawn, c'est-à-dire un truc où vraiment t'es... Il n'y a pas de fantaisie encore, Until Dawn, mais vous voyez, pas d'histoire d'âme ou quoi. Je pensais que ça allait vraiment être un truc, peut-être un truc de policier, enfin j'en sais rien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais pas du tout un truc comme ça. Et c'était... Oh là 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 là, c'était dingue. Et les choix étaient tellement incroyables. Waouh. Oh, c'était super. Oh, c'était vraiment super, ce let's play était vraiment super, ce jeu était vraiment incroyable. Je regrette vraiment pas de vous l'avoir fait et j'espère que vous aurez pris du plaisir parce que alors moi j'aurais surkiffé comme quasiment jamais j'aurais surkiffé sur la chaîne un truc. C'était dingue et ouais j'ai vraiment adoré et je suis très content au final de la fin de mon aventure. C'est une fin et je trouve que les choix en général ce sont des choix qui me ressemblent et ce sont des choix que je ne regrette pas vraiment. Je suis très content de la tournure que j'aurais donnée à la chose et je trouve la fin vraiment juste... incroyable. Bah écoutez, voilà. J'espère que vous, en tout cas, ça aura été un let's play que vous aurez suivi avec plaisir. Moi, j'aurais vraiment pris beaucoup de plaisir et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à suivre chacun des épisodes. Il y avait énormément de gens qui regardaient chacun des épisodes à chaque fois, donc ça fait super plaisir. Merci à vous. Et je pense qu'on s'attaquera à d'autres jeux un peu de ce genre. Je pense, bien évidemment... un jeu que vous me réclamez aussi beaucoup, qui est un peu apparemment dans le même genre, qui s'appelle Life is Strange. Je pense que je m'y attaquerai dans les prochains mois, parce que, bah pareil, c'est un bon jeu, donc j'ai envie de le découvrir. Enfin, apparemment, c'est un bon jeu. Donc je pense que ça pourrait vous convenir, à vous qui aimez ce genre de jeu. Je pense qu'une partie des gens qui m'écoutent en ce moment seront intéressés. Mais avant ça, il y a plein d'autres échéances qui arrivent, plein d'autres jeux qui m'intéressent. Et donc, on a le temps, bien évidemment, on n'est pas pressé, hein.
on n'est pas pressé. Donc moi je vous retrouverai, eh bien si je dis pas de bêtises, ce lundi pour un nouveau let's play sur un jeu d'un tout autre genre. Ce sera un jeu plus coloré. Ce sera un jeu un peu plus ancien, vraiment, qui a quelques années maintenant, mais qui est un très très bon jeu et que je voulais vous faire depuis très longtemps. Et bah j'espère que ça vous plaira également. Et puis, j'ai conscience que peut-être pas tout le monde fera la transition, on verra, mais au moins pour le premier épisode, je vous invite à regarder pour vous faire peut-être votre propre avis, pourquoi pas, sur le prochain let's play, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, voilà, encore une série de terminée, ça aurait été avec grand plaisir que je vous l'aurais faite. Et puis, écoutez, merci, vraiment, merci à vous d'être aussi nombreux, fidèles, et gentil vraiment à chaque vidéo. Et merci également à ceux qui nous auront fait ce beau jeu qui est Beyond Two Souls. Je ne regrette absolument pas de vous l'avoir fait. Il est vraiment incroyable. Bref, sur ce les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas pour la dernière à laisser un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Vraiment, fait mitrailler les pouces verts pour la dernière vidéo, ça pourrait être cool. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines séries bien sûr. C'était Sifano, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous m'avez découvert sur ce jeu, il y en aura plein d'autres qui arriveront, je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous plaire. Et d'ici là, je vous dis bye tout le monde.